pour vous faire vivre ce match. Toujours bien sûr avec Pierre Ménès. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Liga Santander que nous allons suivre. Et on a hâte que ça commence, Pierre. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Kim Sung-Meng. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Kim Sung-Meng. Et le drapeau qui s'est levé, j'aimerais bien revoir ça. Le Real Madrid qui aborde ce match avec une attaque et... Ah, le bon ballon de Benzema. C'est une perte de balle pour le Real. Oh, que c'est bien donné ça. Yanis Salibur. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Sergio Ramos qui vient en contact. Et c'est une perte de balle pour le Real. On cherche la faille dans la défense adverse. Il continue sa progression. Et il est dépossédé du ballon. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il tire. Non, c'est contré. Il a cherché le point de pénalty sur une pote qui finit dans les bras du gardien. Allez, place là pour une contre-attaque. La défense qui est bien revenue et qui met fin à ce contre. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Qu'est-ce qu'il va faire? Ballon qui sort. Le gardien qui va donc pouvoir relancer. Casemiro. Ramès, le ballon qui va revenir à l'adversaire. On s'attend à un match plutôt facile pour les joueurs du Real. On les voit mal être inquiétés. Chercher une ouverture, bien sûr. Casemiro, lumineux cette passe. Et voilà, il est l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Isco. Isco qui continue de progresser là le pied. Là, c'est contré. Casemiro. Oh, ce tir qui passe vraiment tout près de la barre transversale. Qui est rendu au camp adverse. Elle est peut-être une bonne occasion. Passe de Ramès, mais récupéré par un adversaire. Il faut trouver une option disponible. Un très très beau geste défensif. Isco. On cherche des solutions là. Un ballon qui sort en touche.
lecture là pour intercepter ce ballon. Benzema. Allez, le tir de Karim Benzema. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Et voilà, corner pour le Real. Ah, il est bien parti ce corner. Oui, il y a des options dans la surface. Ah, le centre qui ne donnera pas grand chose. Leonardo Coutrice. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Casemiro, Benzema. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Ouais, ça sort en touche. Ballon pour l'adversaire. Isco. Isco qui continue de progresser balle au pied. Oh, ballon de but pour Karim Benzema. Oh, et but. Oh, le but. Un nouveau but pour le Real. Ça fait deux buts d'avance pour les Meringues. À cette distance, à moins d'un arrêt exceptionnel du gardien ou d'un dernier geste complètement loupé, on se rend compte qu'il y avait quand même pas mal de chances que ça finisse au fond. Ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ah, c'est propre ça. Ah, un bon ballon d'attaque. Kingsolving. Ah, la passe en profondeur, attention. Ramos Rodriguez, Casemiro, Karim Benzema. Benzema. Benzema à la frappe. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin ça fait un peu pop-corn comme interne. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Tentative de loin, c'est contré. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Yanis Salibur poursuit son action personnelle. Rodriguez. Isco. Karim Benzema. Isco. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il faut trouver une ouverture. Isco. Isco. Ballon capté par le gardien. La passe est coupée et bien défendue. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ouais, c'est sorti, ce sera une touche. Yanis Salibur. Vladimir. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Benzema. Toujours Karim Benzema. Et dans le tir qui est contré. Dégagement là, attention. Oh, c'est au-dessus, c'est même très au-dessus. Leonardo Coutrice. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Benzema.
James Rodriguez. Pas de problème pour le gardien. Et nouveau corner. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Mauvais dégagement, mal fait. C'est bien parti pour ces joueurs, en laissant toujours aussi concentrés dans ce match. Oui, ça se présente assez bien dans cette rencontre pour le Real, qui n'a pas encore assommé son adversaire du jour dans cette première période, mais qui mène au score. Pour l'instant, c'est le principal. Ah, bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. C'est une bonne espace et c'est cadeau. Ballon en profondeur. Allez, il y a certainement quelque chose à inventer, à faire là pour James. Ouais, bien tiré ce corner. Oh, c'est dommage, ils pouvaient tuer le match, ils en avaient l'occasion. Ouais, trop de suffisance dans ce dernier geste. Encore une occasion de but pour cette équipe. Bon, cette fois, ça ne passe pas, mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore. La voie est libre. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Rodriguez. Bien donné encore une fois. Ah, le bon ballon de Benzema. Bien joué. Bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon, il a bien anticipé. Vladimir. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Voilà, ça joue vers l'avant. Il ne maîtrise pas le ballon. Il le... Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un... Ah, le bon ballon de Benzema. Attention à la frappe. Et l'intervention décisive du gardien. Mauvaise relance. Allez, le ballon qui est dégagé. Ki Sung-yueng. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Elle partait bien, cette contre-attaque. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Yanis Salibur. Bien négocié par le gardien. James Rodriguez. Karim Benzema. James Rodriguez. James Rodriguez. Un camion qu'on appelle juste James. Et qu'il faut surtout prononcer. Benzema. Et le but du Real Madrid. Et c'est son deuxième but, son deuxième but personnel dans ce match. Parce qu'il va faire un triplé. Il semble prendre un avantage quasi décisif. On cherche une solution. Essaye de trouver la faille. Et le gardien hein, qui s'interpose magnifiquement. Esco. James Rodriguez. Bon, tu parles d'un arrêt de dingue. Même les supporters adverses le félicitent. T'as qu'à voir. Il faut trouver une option disponible. À la surface, il y a du monde. Ouais, quel but! Magnifique! Eh oui, quand le centre est bon, la frappe est bonne et ça fait souvent but derrière, la preuve. Le joueur du Real qui conforte un peu plus encore leur avance au score. Et puis c'est pas tout à fait le genre de la maison de laisser filer un match.
4-0, rencontre à sens unique. C'est un adversaire qui récupère cette passe. On sent une perte de balle pour le Real. Voilà, ouais, la passe en profondeur, attention. Ça, ça peut devenir dangereux. Karim Benzema. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Casemiro. Qui se mène. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Casemiro. Rodriguez. Soumyang, Yanis Salibur, Casemiro, Sergio Ramos, l'un des tout meilleurs défenseurs espagnols de sa génération. Ouais, c'est très dur de le prendre à défaut en un contre un. Bon, parfois il emploie des méthodes un petit peu limites, mais c'est quand même un très grand défenseur. Ils font tourner en attendant une ouverture. On assiste à vraiment un regroupement défensif, hein, c'est très net. Yanis Salibur. On cherche la faille dans la défense adverse. C'est finalement récupéré par le Real. Isco. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Bodimir. Il faut trouver une ouverture. Ouais, le ballon est intercepté, mais ce n'est pas terminé. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah non, un dégagement qui ne profite pas. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il va pouvoir centrer. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Je crois qu'on va assister à un changement, Pierre, maintenant. Ouais, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Yanis Salibur. C'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. On entre dans la zone dangereuse. Et l'arbitre, attention, au but. Ouais, ça devient facile pour le Real Madrid. Le joueur accélère quand il le faut, c'est propre. 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre, le favori n'a pas déçu. Oui, j'étais attendu pour ce match, le score est tout à fait logique. Leonardo Coutris. Ça va, parce qu'il intercepte cette passe. Il cherche des solutions là. Non, ça ne passe pas. Mais le ballon rendu carrément à l'adversaire. Est-ce qu'il va centrer? Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher une ouverture, bien sûr. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Benzema. Karim Benzema qui s'est révélé à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, avant de filer au Real. Oui, c'est là que ses talents de buteur lui ont permis d'être sacré champion de France 4 ans de suite, de 2005 à 2008. Il essaye de trouver la faille. Yanis Salibur. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
Isco. Karim Benzema. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Un corner adressé, c'est repoussé par le gardien. Réduit à l'adversaire par les Madrilènes. Touche pour le Real, dit l'arbitre. Il va y avoir un changement, Pierre. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Ah, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Kim Sung-yang. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Il est passé. Toi, attention, c'est pas terminé. Ah, quel bel arrêt, vraiment. Pourtant, j'ai sûr que ça faisait but. Hein. Cherche une solution, là. La frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Encore une mauvaise passe, côté madrilène. Chercher une solution. Et le centre bien négocié. Le gardien. Ici, un score qui ne devrait plus évoluer maintenant. Vous savez quel sera le prochain adversaire de cette équipe, Pierre ? Le Real Madrid va affronter l'Espagnol ensuite. Le bilan est positif pour les joueurs qui ont su bien gérer ce match. En plus, l'entraîneur peut être satisfait. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Ah, le bon ballon de Benzema. Et le gardien qui écarte le danger. Et il envoie le ballon très loin. Oh, la faute. La faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Kim Sung-yang. Leonardo Coutris. Hors-jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Modric. Eden Hazard. Voilà, la bonne passe d'Eden Hazard dans l'intervalle. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Qui est rendu au camp adverse. On est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe, vraiment. Ouais, on assiste à un gros match de la part des joueurs du Real Madrid. Il n'y avait pas grand-chose à faire face à une équipe aussi forte. Il donne dans l'axe. Courtois, attention, il l'a repoussé, c'est pas fini. Isco. Le Real qui perd encore un ballon. Ah, le bon ballon de Benzema. Pas de problème pour le gardien. Un corner bien tiré au niveau du... Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Le Kamenic. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, il manquait peut-être de conviction cette attaque. Kim Sung-yang. Encore un ballon perdu, décidément. Ouais, le ballon qui est perdu. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace.
Et l'arbitre siffle la fin du match. Et le score est... Score